C'est prêt? Ah oui, chérie. En fait, bébé, je voulais te parler pour quelques minutes avant que tu ailles au boulot. Ok, vas-y. Safina était là depuis hier. Et je m'excuse pour ne pas t'informer. Ok. Ces derniers temps, ne travaille pas, vu le confinement. Et je voulais qu'elle reste avec nous pour quelques jours. Jusqu'à ce qu'on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh. Mais c'est sa maison. C'est ta sœur, non? Ok, voilà. Merci chérie. Allez, au plaisir. D'accord, bébé. Bonne journée. Merci. Ok. Je ne savais pas qu'il allait accepter, je te jure. J'étais toujours dit que c'est une bonne personne. Merci. Ok, je change de parole. Safi, s'il te plaît, amène-moi de l'eau. Oui. S'il te plaît, amène-moi son eau. D'accord. Fallait le laisser à l'extérieur. Hein? Hé, hey, Nandé. Non, s'il te plaît, sors. Sors, s'il te plaît. Non, Bimate. Mathieu, son Ibana, n'a pas oublié de dire que Yone m'a blessé un mal. Ou soit, au lieu gratos, ou soit la gang que Béo au lieu venir. Mon Dieu. Tu as deux choix. S'il te plaît, je t'en prie, Bimana. Non, Bimate. Tu as deux choix. Sors, s'il te plaît. Non, Bimate, on a fait un choix ici. Sur le terrain, on a bien. Viens, on fait vite. Le père fait ta sœur, on va se prendre en mission.
papi. Chérie, s'il te plaît. Laisse-moi. Tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est toi. Au secours. Qui doit mourir, Joël ou sa fille? Répondez-moi dans vos commentaires si c'était vous.